Peut-être qu'il y en a qui vont se souvenir d'un voyage qu'on a fait en 2019 qui s'est terminé à Rome, mais je viens tout juste de dépoussiérer ces événements-là, puis je vous les présente maintenant. On est dans l'autobus 64, on quitte le terminus de train, puis on s'en va vers notre appartement. Mais quand il n'y aura pas de piétons, ça, on finit ça. Wow! We've got a nice group here! On a une plus grande famille. Bon, vous avez des nouveaux frères? Aujourd'hui, on part, on s'en va visiter le Colisée, on espère, on se croise les doigts qu'on va avoir de la place. On a vérifié sur le site hier, il n'y avait plus de place pour les skip the line en ligne. C'est vraiment beau! Oh wow! Regardez ça les petites nœuds! When you go inside, finger here. That finger, no another one. That finger, other finger, no. Take here. Now you're turning, you cut everything. Zucchini, batata, cucumber, very nice. You want to make salad, you want to make decoration. And evening, you want to make green necklace, you can take here. You can watch me again on YouTube. You got me. I'm and you have my number. You call me, I give you my mother-in-law free. That's beautiful mother-in-law. Very healthy. Hello, hello, look at this one. The best machine in the world. You want peel it? Go there. That way, peel it like that. Peeled patata also is very easy. Carrot julienne for salad, you go there. You can make carrot julienne for salad. Madam, believe me, I am blonde like him. 4 days ago, I eat carrot julienne. Look, I am black now. De façon parmesan, mais c'est lait entier d'alpage. Un morceau chacun. Et il est plus gros que ta tête. Je pensais que c'était du gros, mais après il y a des grosses. Non, c'est du vrai fromage, regarde. Celui-ci, c'est le parmigiano reggiano, 36 mois d'affinage. Quand il est fait, sont 80 kg de fromage. Après 36 mois comme ça, il devient 42-45. Ah ouais. Si vous achetez tous la meule, vous pouvez la rouler jusqu'à l'avion. Moi. C'est vrai? Combien ça coûte une meule comme ça? C'est comme plus de 1500. Wow! 1500 euros. Est-ce qu'on prend la meule, les enfants? Lui, c'est un livre. Ah ben, ça fait ça. Ah, c'est pour boire! Hey, est-ce qu'on a peur? On est venu manger dans ce petit restaurant. Très mignon. Il faisait chaud tantôt, ça a fait du bien de venir s'asseoir à l'ombre. Et papa a acheté. Manger un peu. Ça se peut qu'on puisse pas aller au Colisée. Il n'y a plus de billets pour le Colisée. Sur le site web, il n'y en avait pas pour le reste de la semaine. Non, mais c'est le fun de juste se promener dans les rues. Arrête, rose! On voit le Colisée! Alors, on est ici au Colisée de Rome, sans billets. Magnifique de l'extérieur. Ça se trouve, on peut attendre une heure en file puis avoir un billet. Fait que... Allons-y. Allons-y. Finalement, on a pris la ligne. 25 minutes d'attente, 20 minutes, même pas pour nous, hein? 15-20 minutes. Je sais pas pourquoi on capote depuis un matin. On est rentré. Ça commence. C'est grotte. Tu vois, là, la reine est au milieu. Paul, viens ici. Les combats de gladiateurs. On va dire que... Oh, bon, bon. Ah, c'est sûr. C'est juste presse, là.
Regarde le gros canif qui bouge. T'en voudrais faire un comme ça, toi? Oui. Tu voudrais un canif aussi gros que toi? Oh, safety, déjà. Lequel vous voulez? Oui. Le bateau. Celui-là? On va prendre un colisée. Enchanté. 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 Oui. Merci. Congratulations. Thank you. I wish the best in the life. Nicolas, est-ce que c'est beau la fontaine? Oui. Et la fontaine de Stevie? Oui. Mais il y a un pigeon. Ah, oh, il y a un pigeon. Ah oui, un pigeon. Là, il y a un pigeon, c'est vrai. Est-ce que vous avez hâte d'aller au musée des enfants? Oui! Mais qu'est-ce qu'il y a au paradis des enfants? Ben, c'est comme... Je sais pas. On va peut-être voir, on va découvrir. Paradis! Bienvenue au musée des enfants. Allez, pour ça qu'on voit. Mario! Qu'est-ce que toutes ces couleurs? Champion. Oh, tais-toi bien. Ok, attention. Là, on y va. Wow. Wow. Regardez les patins. Oh, il va y avoir un choc ici. Wow. Oh, retour en force ici, attention! Ok, on va le ramener aux autres. Ouf. On va laisser voir mes enfants là-dessus. Ah ben, il y a une machine à bulles là-bas, Mélodie va aimer ça. Oh. En réalité, son affaire, là, c'est de la corde. Mais si on veut qu'il continue les bulles, il faut qu'on mette de l'argent. Merci à Nico. 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 Viens, Nico. J'ai un escalier. Juste quand on donne des sous. Ça y arrête. Allez!
Là, on s'en va à l'audience du pape. Donc, c'est juste à côté. On sait pas si ça va être en français. Il paraît que le pape va aller dans la pape mobile ou un truc comme ça. Et puis, qu'il va passer dans l'allée. Puis, on aimerait bien être sur le bord comme ça, il pourrait prendre Marie-Rose. Mais... Non, il va dire que Marie-Rose, c'est une scélérate. Marie-Rose! Il y a beaucoup de monde. Wow! Vas-y, vas-y. Le rock-up? Ouais. Le pape! Wow! Venez voir, venez voir, venez voir! Marie-Rose! Bon, on l'a vu. Les routes vont ouvrir ici, il va falloir qu'on rentre, il y a beaucoup de gens très denses, ils vont tous vouloir aller au même endroit que nous, il faut se suivre très proche. Ah, ben là, il va pas le passer. Vas-y, 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 collez là. Ah ben Marie-Rose! Marie-Rose a été prise par le pape! Ça va dehors? Non, c'est ma place! Oh, allez, regardez! C'est pas un jeu, c'est une pratique! Oui, je suis à mort, lui! Hey! Les toilettes automatiques! Puis ça, c'est le local? Lequel des technologies des toilettes autoportantes? On a besoin de monnaie? Alors on va aller ailleurs là. C'est Michel qui achète des cochonneries pour pouvoir avoir du change pour aller aux toilettes. Wow! C'est une grande vignette! C'est du caca par terre! C'est du caca par terre! Allez, passe-toi! Ok! Imagine! Et là là, une chance qu'on a acheté des craquelins. C'est quoi les craquelins qu'on a acheté pour avoir du change? Bon. Ok, le timer est commencé là-dedans là. Vite, ça va flasher en haut, ça va flasher, il va falloir sortir. Dans 5 minutes, la lumière elle flash puis la porte elle rouvre. Puis? Ça a bien été? Ok, tassez-vous. Là, Laurent, c'est trop tard. Y a-tu un tapis, non? C'est pas automatique, ok, non. Bye bye, bon. Pas obligé d'insérer ça dans. Ben oui, c'est épique! On est dans la file devant la bouche de la vérité. Où est-ce qu'on va tester si nos enfants disent la vérité ou non? Une fois pour tous. Une fois pour toutes. C'est la bouche de la vérité! On a mangé du manger. On a mangé la bouche de cette personne. Parce que c'est la bouche de la vérité. Oh oui, puis Mélo, elle m'a énervée parce qu'elle me donne des bisous. Hé, attends, la bouche de la vérité, c'est une place que... c'est une espèce de visage, là, un visage assiette, là, qui a une bouche. Il y a pas des chinois, par exemple. Qui a deux yeux, et un nez avec des grosses narines. Oui, on met la main là. Hey! Ça, c'est pas ton croche. C'est pas ton puis la main, ça va. Mais juste si on dit des mensonges. Si on dit la vérité, qu'est-ce qui arrive?
Cheese! Grazie. Ok. Viens-t'en, Paul. Dernière journée à Rome. Demain, on prend l'avion, on rentre. Les enfants ont passé du bon temps, un peu bronzés. Moi, je vais à la fête de Marie. Tu vas à la fête de Marie? Oui. J'ai très hâte et je travaille depuis le début du voyage sans cadeau. En Toscane, en fait, je regardais pas trop. Arrivée à Venise, là, j'ai vu le cadeau qu'il fallait pour Marie. Mais même là, je voulais qu'elle ait un cadeau parfait. Donc là, je me suis mise à faire un théâtre de petits personnages. Donc, c'est ça que je voulais lui offrir. Mais on marchait sur le bord de l'eau et puis on a vu un jongleur qui grimpe sur son échelle devant les autos arrêtées et qui jongle pour elle. C'est drôle ça, c'est comme un squeegee mais qui te donne quelque chose, il t'amuse. C'est bon ici? C'est super bon. Ici, on a eu, je pense, un de nos meilleurs lunchs. On s'est assis aux petites places. Forno Monteforte, une belle petite place, très bonne. Hey, on reviendra. Ça, c'est la course des enfants au Circus Maximus. Ils vont aller le plus loin qu'ils peuvent pour un popsicle. Ils sont très courageux. Ça a 0.6 km de long, cette affaire-là. Jeanne, s'en revient. Nos vainqueurs s'en reviennent. Ils ont fait la course au complet. 1.2 km plus. Wow! Laurent, bravo! Wow! Tu l'as eu! Bravo! Je suis impressionné! Je suis vraiment impressionné! Bravo, toi! Mais tape là-dedans! Elle a tourné au milieu! Oui, oui, tape là-dedans! Hey, plus qu'au tape là-dedans. Milieu! Hey, Nello, bravo! Eh là là! Je sais que t'es fatigué! On va vous trouver quelque chose, vous allez voir. En tout cas, ils veulent tous le popsicle, ça c'est clair. Impossible. Après une course? Ça, le bâton, c'est de la réglisse. Ouais, vous croyez pas? Ça, c'est de la réglisse, hein? Par exemple, le feu de bouleau est très bon. Trop bon. La réglisse. Voyage de retour à l'aéroport. Les toilettes dans le train, là, c'est dégueu. On fait pipi dans la toilette, mais la toilette, ça a accès à la rail. Donc ça fait pipi puis caca sur la rail. C'est dégueu. Mais les toilettes du Vésuve, c'était les pires. Ça termine cet épisode-là sur les toilettes de l'Italie.